accueil et installation humanitaire. Bon, pour le moment, c'est le mot de bienvenue. Nous demandons celui qui va couvrir le I'm certain of one thing. If we were in our places, it is quite certain that you would understand exactly what we feel right now at seeing so many things the self-raise of God has brought to us. You know that in a hospital like this one, transport and means to afford it is not very easy. And I would say in the name of the COJE, which is the Committee for Management of the Hospital, that we are very grateful and thankful to you. You are very welcome. And we hope that in the future, the South Bridge of Health will continue helping us very safely, as we have just done now. Thank you. Monsieur le Président de COJE, Monsieur le directeur, docteur, le directeur de l'hôpital, chers médecins, chers infirmiers, les bienvenus au cours de cette cérémonie. Merci d'être venus, d'avoir répondu présent à cette cérémonie. Je suis honoré par le Seigneur d'être ici devant vous après avoir parcouru des milliers de kilomètres pour me retrouver dans cette ville qui est la capitale de notre nation. Cette ville qui est historique avec son hôpital Jameau, ce centre qu'en grandissant, étant tout petit, j'ai toujours entendu parler de ce centre. Ce centre qui a beaucoup servi nos concitoyens et qui continue à le faire. Je suis également très honoré de me tenir ici au nom de Safe Bridge of Health qui a pu me donner la possibilité de conduire son destin, qui est donc Safe Bridge of Health. Safe Bridge of Health est une organisation à but non lucratif basée à Washington, D.C., dont le but est essentiellement aider en Afrique, sur le plan de l'éducation et de la santé. Cette organisation, par le passé, s'appelait Cameroon Community Outreach. Et cette organisation aidait tout simplement au niveau du Cameroun. En 2005, par exemple, sur le plan de l'éducation, cette organisation a octroyé des dons au lycée de Bamanté. Mais la vision de cette organisation a changé, a connu une mutation à une époque de son histoire et est passée de Cameroon Community Outreach à Safe Bridge of Health. Tout simplement parce que cette organisation a cessé de servir rien que le Cameroun, mais plutôt l'Afrique tout entière. Mais ce qui est formidable, c'est que, comme toute bonne charité commence par soi-même, le Cameroun est le premier récipiendaire de nos dons. Constitué de 12 membres, dont 3 au Cameroun, 2 à Yaoundé et 1 à Douala. Et je tiens à rappeler que cette organisation ne reçoit aucune subvention de quelque organisation que ce soit, et même pas du gouvernement américain. Toutes ces contributions que vous voyez, c'est le sacrifice de chaque membre de cette organisation qui sort de l'argent de sa propre poche. Une fois que nous sommes partis de notre pays, nous avons autant d'opportunités. Nous avons un devoir moral par rapport à ceux que nous avons laissés dans notre chère nation. Et nous savons que l'éducation est une voie indéniable pour l'épanouissement de l'être humain. Et la santé est un moteur indubitable sans lequel le développement d'une nation ne peut pas se faire. De cette conjoncture économique mondiale difficile, dont les uns et les autres,
que ce soit ceux qui sont restés aux États-Unis que nous avons laissés au bercail. De ne pas être ingrat en remerciant ceux-là, cette organisation aux États-Unis appelée The Village, était très très décidée à nous aider. Rick, ont pu contribuer à rendre ceci possible. Et donc je ne peux pas citer là, appelé Mitch Elect, qui a pu stocker tout ce matériel dès qu'il est parti du port et qui nous permet aujourd'hui de les distribuer comme nous le faisons actuellement. Je veux remercier également Dr Zo, qui a fait un travail formidable de communication entre moi, entre lui et moi, en termes de téléphone ou également des emails pour rendre cet événement possible. Et ceux-là, dont je n'ai pas cité les noms, je vous dis merci également. Et je remercie, plus important, Dieu, qui a permis que nous ayons cette opportunité à revenir au pays, octroyer ces dons à ceux-là que nous avons laissés dans cette nation. Je disais donc que je lance un appel face à cette situation difficile économique dont notre pays n'est pas épargné, à tous ceux-là qui n'ont pas encore eu la présence d'esprit de comprendre la nécessité d'aider notre pays, à œuvrer, que ce soit ceux de la diaspora ou ceux qui sont restés sur place. Mais j'insiste beaucoup plus sur ceux de la diaspora parce que nous avons, comme le disait encore Platon dans le mythe de la caverne, le philosophe, c'est celui qui est sorti de la caverne, s'est illuminé et rentre, n'est-ce pas, dans la caverne illuminer ceux qui sont restés. Nous avons donc ce devoir d'illuminer ceux qui sont restés. Et nos populations à se développer. Mais on ne me laisse à ne pas tenter la structure incontournable de cette santé dont nos populations ont besoin. Je sais une chose, c'est que nos médecins ou nos infirmiers ou infirmières, en réalité, mais il y a une chose que je demande, continuer à œuvrer pour, n'est-ce pas, la bonne survie de notre population, également en nous permettant, ceux qui viennent de la diaspora, créer un environnement propice qui nous facilite l'apport des dons pour aider ce gouvernement à aider ce que nous avons laissé au pays et par là développer notre nation. Tous ceux-là qui sont coopérés avec le personnel médical, d'être compréhensifs, d'être raisonnables et patients. La patience est cruciale pour leur permettre à ce personnel médical de faire son travail. Et comme le disait Bernard Lacroix, il n'y a pas plus grand homme que celui-là qui est patient, qui pardonne. Le gouvernement américain et la population américaine qui est assez généreuse, le gouvernement qui a créé un environnement approprié, un environnement propice nous permettant d'avoir des possibilités d'envoyer des dons à ceux-là que nous avons laissés derrière. La population américaine qui est généreuse, qui donne beaucoup, parce qu'elle comprend l'importance du fait que lorsque vous avez réussi, il faut aider ceux-là qui sont dans le besoin. Ils appellent ça aux États-Unis « giving back to the people ». Parce qu'il y a encore des hommes. Bon, ce don au président de projet, président de comité de gestion, je vous en prie, de l'hôpital Jamo de Yaoundé. Kalambo di mane so bamba buya tenge.
c'est formidable. Merci. Ce genre de don. Oui, ce n'est qu'un grand plaisir pour nous, habitants de Yaoundé, et c'est un exemple parfait de dire, de croire et de voir que certaines personnes de la diaspora pensent encore à leur pays. Et nous souhaitons que ce soit ainsi effectif et ouvert à d'autres personnes de la diaspora vivant tant qu'en Europe qu'aux États-Unis, qu'ils essaient de prendre de l'exemple et que ça fâche désormais tâche musulmane. Le gouvernement Safe Bridge offert pour ce grand don qu'ils ont fait chez nous à Yaoundé, spécialement à l'hôpital Jamou.